C'est une pièce qui est née non pas d'une légende, mais qui est née, moi, d'une petite expérience que j'ai eue un été. J'étais allongé, c'était la nuit des étoiles filantes, et c'était déjà il y a quelques années, et j'avais gardé en mémoire cette impression profonde que ça m'avait fait. Et j'ai voulu écrire une pièce, cette première des constellations, parce qu'il y en a deux mouvements. C'est une sorte de grande contemplation, de pastorale cosmique, un peu comme ça, de contemplation de la voûte céleste. Non pas comme j'ai fait dans d'autres pièces, une pièce, j'allais dire, qui parle d'astrophysique, mais une pièce qui parle du point de vue humain. Comment se sent-on en tant que petit humain face à cette immensité? Donc il y a à la fois la fascination, le côté presque mystique aussi que dégage, ce calme à la fois fascinant, attirant et puis un peu oppressant aussi, puisque ça renvoie évidemment à notre petitesse, à notre finitude. Et j'ai voulu décrire ça, l'émerveillement. C'est une pièce. Ma musique est souvent inquiète, souvent angoissée. C'est une des rares pièces que j'ai écrites qui soit au contraire complètement contemplative et planante. Elle fait écho à une autre pièce que j'ai écrite quelques mois avant, qui est un peu sa petite sœur. C'est une pièce pour orchestre qui s'appelle Une lueur dans l'âge sombre. Et ma constellation-là est un peu la petite sœur de cette lueur. C'est pareil, c'est une grande pièce de contemplation de l'univers et de la beauté d'un ciel étoilé. Quant à la deuxième constellation, eh bien là, je me suis rappelé de la nuit des étoiles filantes, donc c'est les étoiles filantes. C'est une sorte de scherzo très léger, très aérien, mais évidemment avec beaucoup de mobilité et de rapidité, puisque là, c'est plus le ciel statique, mais c'est le ciel en mouvement des étoiles filantes.